Landa, da sind sie ja. Emmanuel, voici le colonel SS Landa. Il sera chargé de la sécurité pour la première. Reichsminister zu seiner anderen Verabredung bringen. Oh, Sklaventreiberin, ja? Französische Sklaventreiberin. Wie auch immer, ich fürchte, als Sicherheitschef dieses freudigen deutschen Ereignisses muss ich ein paar Worte mit Mademoiselle Mignieu wechseln. Was für Worte? Das hat ja verdächtig geklungen wie ein Schütze, der den Befehl eines Standartenführers in Frage stellt. Oder bin ich da jetzt nur sensibel? Nichts läge mir ferner, Herr Standartenführer. Ihre Autorität steht außer Frage. Aber Ihnen eilt ein Ruf voraus. Müssen Mademoiselle Mimieux oder ich uns Sorgen machen? Hans, der Junge war jetzt nicht böse. Er hat sich verkauft in die Kleine. Und er hat recht. Ihr Ruf eilt ihn voraus. Keine Sorge, ihr zwei. Als Sicherheitschef muss ich einfach mit der Besitzerin des möglichen neuen Veranstaltungsortes ein bisschen plaudern. Avez-vous goûté le strudel ici? Il n'est pas si mauvais. Alors, comment se fait-il que le jeune soldat et vous ayez fait connaissance? Oui, deux strudels, un pour moi et un pour la demoiselle. Pour moi, un café serré et pour la demoiselle, un verre de lait. Donc, mademoiselle, vous commenciez à expliquer. Il y a encore deux jours, j'ignorais l'existence du soldat Zoller et de ses exploits. Pour moi, le soldat n'était qu'un client non cinéma. Nous avons discuté quelques fois, mais... Mademoiselle, permettez-moi de vous interrompre. Ceci est une simple formalité. Aucune raison de vous inquiéter. Veuillez m'excuser, j'ai oublié de commander la crème. Un instant. Attendez la crème. Puis-je vous appeler Emmanuel? Oui. Et donc, Emmanuel, expliquez-moi, comment se fait-il qu'une jeune femme comme vous en arrive à posséder un cinéma? Après vous. Verdict. Comme je disais, pas si mauvais. Vous commencez à expliquer l'origine de votre possession du cinéma. À l'origine, le cinéma appartenait à ma tante et à mon oncle. Comment s'appelait-il? Jean-Pierre et Adam Imieux. Où sont-ils à présent? Mon oncle a été tué pendant la Blindstream. Continuez. Tante Ada est morte de fièvre au printemps dernier. Regrettable. On m'a été signalé que vous employez un nègre. Est-ce vrai? Oui. C'est un Français. Il s'appelle Marcel. Il a travaillé avec mon oncle, ma tante et mon oncle depuis l'ouverture du cinéma. C'est la seule personne qui travaille avec moi. Faire quoi? Projectionniste. Il est valable? C'est le meilleur. En fait,
On peut voir en quoi ce peut être un bon métier pour eux. Savez-vous faire marcher un projecteur? Bien sûr. Bon. Connaissant le ministre du Reich comme je le connais, je suis en mesure d'affirmer qu'il ne voudrait pas que la réussite ou l'échec de son illustre soirée dépende de la prouesse d'un nègre. Donc, s'il est admis que l'événement se tiendra effectivement dans votre établissement, talentueux sans doute comme votre nègre peut l'être, c'est vous qui actionnerez les projecteurs. C'est acceptable? Oui. Cigarette? Elles ne sont pas françaises. Elles sont allemandes. Il y avait une autre chose que je voulais vous demander. Mais maintenant, sur ma vie, impossible de m'en souvenir. Enfin, bon, ce ne devait pas être important. À ce soir.